Il y a 7 ans, Pas à Pas créé le Tourino. L'objectif était de réunir les clients, les consultants, pour parler des innovations d'SAP et donner notre vision de ces innovations. Deux sujets dans cette journée sur la route de S4 et la data. Et là, nous allons regarder effectivement quelles ont été les dernières évolutions côté SAP, à la fois de la façon de consommer la solution et également comment cette solution évolue fonctionnellement et comment on peut plus facilement l'adopter. On va aborder un sujet sur les applications de type planning et on va essayer de donner un peu plus d'informations aux clients. Je suis très content de profiter de ce tour innovation pour pouvoir vous présenter les innovations qui sont apportées par SAP autour de la trésorerie dans le cadre de S4. Les thèmes abordés cette année seront, pour ma part, la migration de nos clients vers SAP S4HANA d'un point de vue purement contractuel et commercial. En définitive, l'objet de cette présentation, c'est de vous montrer que l'on peut mettre en œuvre des solutions concrètes et pratiques dans des délais tout à fait courts. Le bilan de cette journée, et elle n'est pas encore terminée, parce qu'on continue à discuter avec nos clients, et c'est ça, au-delà des présentations qu'on a faites, qui est le vrai plaisir d'avoir une cinquantaine de clients qui échangent sur la roadmap, sur les potentialités des solutions, comment exploiter la donnée, comment aller vers S4. Donc voilà, un vrai plaisir de rencontre et un bilan extrêmement positif. Ce que ça m'a apporté aujourd'hui de venir, c'était une vision de la roadmap sur la S4. Nous, on est encore dans une nouvelle version et un intérêt particulier pour la partie Analytics. Probablement, je reviendrai au Tourino 2021.